YouTube, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, sur cette vidéo tout simplement je vais vous présenter mes stats du level 300. Donc on va pas trop s'attarder là dessus et tout de suite je vais vous montrer mon level 300. Donc level 313, et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on débloque au level 313. Donc au level 313 on débloque le logo du prestige 3 de BO2. Donc il est assez joli, le petit scorpion. Je m'étais arrêté au prestige 3 sur BO2, donc c'est vrai que je l'aime beaucoup. Ensuite, prestige 3 de Black Ops, premier du nom, avec un book, une chèvre. J'ai jamais joué à Black Ops sauf à la démo sur PS3. Enfin bref, World at War prestige 3, bon il est assez stylé, mais je trouve qu'ils auraient pu quand même le refaire, parce que tous les prestiges de World at War, ils manquent un peu de style, du moment où ils ont été faits, bah moi je trouve, voilà, avec des anciens logiciels. Donc du coup les textures sont pas magnifiques. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre au level 300? Donc avant de passer par les ratios etc, je vais vous montrer un peu mes médailles. Donc une balle une mort, 11765, une balle une mort. Donc je joue beaucoup en hardcore, du moins je jouais beaucoup en hardcore à la Razorback et à la Kuda, mais j'ai arrêté, je préfère le standard. C'est quand même un peu mieux plutôt que de prendre une balle une mort, hein, comme je dis toujours, alors que j'ai fait 11 000 une balle une mort, 11 000 personnes qui se sont fait niquer. Enfin bref, sanguinaire, 1981 sanguinaire. Bon, on s'en fout des sanguinaires, j'en ai fait beaucoup, mais voilà. Sans pitié, 252, j'aurais pu en faire 300, vu que je suis level 300, donc c'est pas grave. Implacable, série de 15, je meurs. Ah non, l'implacable, c'est la série de 20, ok. Donc je meurs souvent en série de 15 et de 20, donc regardez. J'ai fait 15 implacables et 15 impitoyables, donc du coup je meurs très souvent dans ces chiffres, donc 15 et 20, 20 kills d'affilée. Je meurs souvent dans ces séries, ce qui me dégoûte assez, du coup je fais beaucoup de nuques. Invincible, donc j'ai fait 26 kills après la nuque. Des brutales, j'en ai fait 10, donc j'ai failli 5 nucléaires vu que j'ai 5 nucléaires. Donc les nucléaires, j'en ai fait une au point américain. Ouais, je suis désolé, je l'ai fait en boost. Ah voilà, on va pas s'attarder là-dessus, je l'ai fait au début du jeu, juste pour voir à quoi elle ressemble ma carte de visite. Enfin bref. Deuxième nucléaire, point américain fait par Apex Xerox. Troisième nucléaire fait à la Kuda. Quatrième à la KN. Et la cinquième, franchement les amis, j'ai pas avec le gameplay, je ne sais plus avec quelle arme je l'ai faite. Franchement les gars, je sais plus. Je crois que j'ai dû faire un multi-arme, j'ai dû prendre une arme, faire une sans pitié. Ensuite je me suis enjaillé avec une autre arme que j'ai ramassée par terre. Enfin bref. Et du coup j'ai eu la nuque, donc j'ai pas pu rec le gameplay, je sais pas pourquoi, peut-être j'ai eu une flemme par-ci par-là. Enfin bref, on s'attarde pas trop là-dessus, et tout de suite on passe aux ratios, aux éliminations, au jour de jeu, etc. Enfin bref, on va s'enjailler là-dessus. Donc, 312 de SPM, ce qui est assez cool pour moi, surtout que je l'avais vraiment remonté, je crois qu'elle est à 280. Donc ça c'est assez cool. Victoire défaite 0,87, pareil, la même chose, assez cool, parce qu'il était je crois 0,80 ou 0,70, un truc comme ça, je l'ai bien remonté. Ratio tout court, là les gars je suis extrêmement fier de moi, il était à 0,88 les amis, 0,88, je sais pas si tu imagines 0,88 pour remonter à 0,6, faut du temps, surtout quand t'as 15 jours de jeu, hein mon pote. Donc du coup je suis assez fier de moi parce que je l'ai vraiment bien remonté. Et là je compte encore l'augmenter. J'essaye d'arriver à 2. Donc je vais essayer de foncer le 2 de ratio. 56 000 éliminations. Donc ce qui est assez cool vu que j'ai 15 jours de jeu. Victoire, 1193 victoires. Donc ce qui est assez cool vu que quand il y a eu le contrat avec les 75 victoires, on a fait de la MME en standard ou en hardcore. On a triard les victoires. Donc du coup bah, j'en ai eu 10 fois plus. 15 jours de jeu. Vous allez me dire c'est excessif, il y en a ils ont 4 jours de jeu, ils sont déjà Master Prestige. Oui les gars, je suis vraiment désolé, j'ai 15 jours de jeu, mais j'ai commencé le jeu en étant un petit noob. Et quand on commence le jeu en étant un noob, eh ben on a beaucoup de jours de jeu. Voilà, tout simplement. Et du coup, qu'est-ce que je voulais voir? Je voulais aussi voir les classements, j'ai pas trop été voir. Donc on va faire le mode où je joue beaucoup plus. Voilà. Le mode où je fais le plus de games, donc c'est standard domination et hardcore domination. Donc, waouh, je suis 955 262e en domination standard. Ok, bientôt 1 million, ok, normal. Bon, on s'en fout, on va passer à l'hardcore, à la domination. Bon, je suis combien? Waouh, il y a beaucoup de gens qui jouent en hardcore.
Parce que si je suis comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui doivent jouer en hardcore. Ah! Ah mais en fait c'est le classement de mes potes. Ok. D'accord. Donc du coup je suis... Ah non, je suis pas dans les mignons. Hein. Je suis 151 221 21 000e. Pardon, excusez-moi, je sais pas compter. Excusez-moi. Non, je déconne, je me suis arrêté en CM2, c'est tout. C'est pas grave. On passe le sujet. Donc je suis 151 221e en domination hardcore. Et regardez mon pote Apex Zeros qui est 100e. Bah, quand je vois ça, je me dis, j'aurais pu être à sa place. J'étais bon. Lol. Enfin bref, j'ai 388 de SPM en hardcore. Et ça, bah, c'est pas mal. Ok, presque tous mes potes sont devant moi en hardcore. Je déteste ça. Je vais triard l'hardcore. Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à la commenter bien évidemment, à la partager et à la liker, donc ça me fera extrêmement plaisir les amis. Donc les amis, moi je vous dis à une prochaine pour je pense un top 5 ou tout simplement une vidéo avec une personne que vous allez je pense bien aimer. Donc voilà les amis, moi je vous dis à une prochaine et bye tout le monde.